Emma Lowes, figure emblématique du monde des affaires et influenceuse, a partagé des révélations surprenantes sur son passé. Lors d'une récente sortie médiatique, Emma Lowes a avoué avoir été maîtresse pour plusieurs hommes pendant une période de sa vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal People. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Alors qu'elle s'exprimait sur la chanson « Amour noir » de Chantal Taïba, Emma Lowes a profité de l'occasion pour se confier sans filtre sur cette période de sa vie et adresser un message important aux femmes. Bien qu'elle soit maintenant une femme influente, son passé reste un sujet de réflexion et de regret pour elle. Emma Lowes, autrefois en relation avec Fedigi Arafat, a décrit son rôle de maîtresse ou « chisa » dans ses relations antérieures. Aujourd'hui, en tant qu'influenceuse accomplie, elle exhorte les femmes à ne pas suivre ce chemin qu'elle qualifie de dévalorisant et épuisant. Chacun décide de son choix de vie. Mais moi-même, ayant déjà été maîtresse, je ne peux pas conseiller une telle vie à une autre femme. Je suis donc bien placée pour demander aux femmes de fuir cette vie de maîtresse, il n'y a rien de bon dedans. À part se dévaloriser soi-même, il n'y a rien d'intéressant dans cette vie. C'est très fatigant en plus. Bon, il faut dire aussi que le karma existe dans cette affaire de maîtresse. Tu as cherché mari des gens aujourd'hui. Demain, quand tu seras marié, d'autres maîtresses vont chercher à t'arracher ton mari, a-t-elle déclaré. Emma Lowes a également souligné les conséquences du rôle de maîtresse, expliquant que celles qui prennent cette voie doivent s'attendre à des répercussions similaires dans leur futur. Effectivement, la maîtresse d'aujourd'hui doit aussi s'attendre à cela le jour, elle rentre aussi dans un foyer. Quand on change de statut de maîtresse, on devient une femme mariée. On laisse son poste de maîtresse vacant ou en héritage à d'autres qui, elles aussi, chercheront à ravir le foyer de la maîtresse d'hier. Donc mes sœurs, quittez dans ça, a-t-elle ajouté. En se confiant ainsi, Emma Lowes espère dissuader les femmes de s'engager dans des relations de maîtresse.